Salut tout le monde, mon nom est Steve Dallaire et bienvenue à ce nouvel épisode de Dallaire 3345 45 et cette semaine je fais une autre critique parce que j'ai pas le choix, parce qu'il y a un album très attendu qui est sorti euh, vendredi euh, et moi je l'avais depuis déjà quelques jours mais euh, le 19e album, 19e album de Judas Priest, Invincible Shield, écoute le premier album The Priest est sorti en 1974 et le 19e en 2024. Donc, ça fait 50 ans de bonne musique, heavy metal, classique heavy metal. Euh, bon, ils n'ont pas toujours sorti des bons albums. Euh, <coughs> Depuis le retour de Rob Alford en 2005, parce qu'il avait quitté pendant 10 ans, euh, il avait sorti l'album Angel of Retribution que j'avais trouvé so so. Par la suite, Nostradamus qui est j'ai essayé, j'ai essayé autant comme autant, c'est juste plate à mort. Et puis ensuite, euh, il y avait sorti Redeemer of Souls que lui j'avais pas aimé non plus, à part peut-être deux trois chansons, gros maximum. Mais en 2018, Judas Priest avait effectué tout un retour avec euh, Firepower, quel disque. J'ai vu la tournée en plus de. de, de de cet album-là, Rob Alford était en voix comme ça n'avait aucun sens. Euh, J'avais été très, très, très étonné de Firepower et moi je me disais, bon, c'est probablement le testament du groupe, tu sais, ça finit bien la carrière du groupe, excellent disque, mais non, 2024, un nouvel album et là... J'étais pas certain, écoute, les gars sont vieux. Euh, Robert Furge a 74 ans. Euh, euh, Glenn Tipton qui, 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 qui il a la, 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 la maladie euh, dégénérative. Euh, bref. Euh, les gars vieillissent. Mais heureusement, il y a Richie Faulkner qui a remplacé K.K. Euh, Downing de, de, depuis quand même une bonne dizaine d'années. Et le gars, lui, il compose, puis il est bon. Il fait des solos absolument débiles. Il compose des riffs de fou. Donc, euh, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre d'Invincible Shield. Mais euh, je dois vous dire, j'ai adoré Firepower. Mais Invincible Shield, il est meilleur. Est, je, est, je sais, ça peut paraître bizarre, mais il est encore meilleur que Firepower. C'est tout un tout un disque et depuis que je l'ai, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Encore ce matin, j'étais à l'épicerie, la plus belle épicerie que j'ai jamais faite de ma vie. J'avais ça dans les oreilles, dans le tapis. Absolument incroyable. Ça commence avec plusieurs extraits qui étaient déjà sortis. Euh, Panic Attack. Euh, la première chanson qui me fait beaucoup penser à. Il euh, y a beaucoup de, de, de segments dans la chanson qui me font penser à Painkiller, donc une chanson d'introduction extrêmement agressive, la voix de Rob Alford. Wouh! <laughs> Est-ce qu'il va être capable de livrer ça live encore à 74 ans? Peut-être. Bien hâte de voir. Parce que j's... Je pense que je vais voir jouer, voir ce tourné-là. En fait, il pourrait jouer toutes les chansons, je serais très heureux. Ensuite, The Serpent and the King, un refrain un petit peu euh, répétitif, mais euh, quand même c'est une pièce sauvage, j'adore. Vraiment, vraiment bon. Par la suite, la pièce titre, Invincible Shield. Euh, c'est un rouleau compresseur, cette chanson-là, ça n'a juste pas de bon sens les riffs, la voix euh, de, de, de Rob Alford, euh, vraiment, là, euh, sa voix là-dessus me met la plotte à terre, comme euh, dirait euh, notre ancien premier ministre au Québec, euh, Jean Charest. <laughs> Donc, vraiment, c'est époustouflant. Et euh, la fin, il euh, y a un duo de guitare à la fin, ça finit la chanson, c'est de la pure magie. Bref, Excellente chanson. Ensuite, uh, Devil in Disguise. Uh, le riff me fait beaucoup penser à London Little Boys. Uh, la chanson sur Boss to the Walls d'Accept. Uh, vous allez voir, le riff ressemble à ça. Mais uh, le refrain est tellement bon. Uh, bref, uh, c'est une chanson qui, qui passe uh, super bien. Par la suite, uh, Gates of Hell, qui est uh, qui a une intro à la Defenders of the Faith. Euh, 84, je crois que c'est sorti ça. Donc, l'esprit est vraiment là. Même si le son de Priest est très moderne, l'énergie de, de, de Defenders of the Faith se retrouve là-dessus. Classic Priest. Ensuite, euh, Crown of Horns. Ma préférée. Mid-tempo. C'est pas une chanson rapide. Tout est concentré sur les riffs et la voix de Rob Alfred. Et ce refrain-là, les poils se lèvent sur mes bras, j'adore, c'est ma préférée de l'album Crown of Horns, qui était déjà disponible, mais tellement mélodique. Ensuite, As God is My Witness, euh, celle-là aurait pu carrément être sur Painkiller, euh, genre euh, One Shot at Glory, ça me fait penser un petit peu à ça, les bass drums qui roulent. Scott Travis, d'ailleurs, euh, j'aimerais souligner son travail là-dessus. Le gars, est pas jeune lui non plus, mais il est créatif. Les bass drums qui roulent, ça n'a pas de bon sens. joue beaucoup avec ses cymbales. Plein de subtilités dans son jeu. Euh, quand Scott Travis est arrivé sur l'album Pain Killer, euh, ça avait fait ça. Là, euh, tout le respect que j'ai, malgré tout le respect que j'ai pour Dave Holland, euh, Scott Travis a vraiment propulsé la musique euh, de Judas Priest. Et c'est encore euh, le cas ici. Quel batteur! Hey, avant de continuer, si vous aimez ce que je fais, euh, euh, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, allez le faire, ça presse. Et euh, faites un j'aime sur cette vidéo-là, commentez, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de cet album-là. Euh, bon, et on continue. Euh, je suis rendu à Trial by Fire. Euh, le ref est contre un petit peu au début. Euh, vraiment, euh, belle. Ce que j'aime surtout avec ce, cet album-là. Et ce qui fait la grosse différence avec Firepower, à mon avis, c'est qu'il est beaucoup plus structuré. Euh, on est allé out of the box sur plusieurs chansons. Tu sais, ce n'est pas euh, couplet, couplet, refrain couplet, solo. Non, c'est vraiment là. Euh, les structures de chansons sont vraiment, sont vraiment travaillées. On n'a pas à faire euh, euh, des, des, des chansons euh, peinture à numéros. Il euh, y a vraiment du travail qui a été fait dans la, dans la composition. Et euh, vraiment, c'est la grosse différence que je trouve avec euh, Firepower. Beaucoup moins prévisible. Ensuite, Escape from Reality. Quel refrain! Agony! Escape from Reality! La voix de Rob là-dessus complètement débile et vous remarquerez euh, le riff d'intro ça ressemble énormément à Fear qui se retrouvait sur ce disque là de Heaven and Hell donc euh, tout ça pour dire que Escape from Reality sonne très 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 Sabbath c'est le euh, riff pesant euh, la basse la, la est lourde de Ian Hill euh, su Superbe chanson, une des meilleures du disque. Ensuite, Sons of Thunder, euh, peut-être la plus faible, à mon avis, sur le disque. Il euh, y a des chants en gang euh, dans le refrain. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Accept. Et, euh, bon, ben, je vais revenir un peu sur la réalisation de ce disque-là. Donc, euh, euh, <laughs> c'est le même réalisateur qu'on retrouvait sur euh, Firepower euh, dont j'ai parlé euh, récemment euh, monsieur euh, ben non, le nom m'échappe je finir Andy Sneap euh, Andy Sneap qui a réalisé le, le dernier Saxon euh, dont j'ai parlé tout récemment de euh, travaillé avec un paquet de monde Accept euh, dont je viens de parler et euh, je sais pas si vous avez vu la la, la, la critique de Saxon que j'avais faite mais euh, je trouvais qu'Andy Sneap ça commençait à sonner pas mal tout pareil et c'est encore le cas ici Réalisation excellente ça sonne comme ça pas de sens mais ça sonne pareil aux autres albums j'imagine les gars avec les amplis studio puis ne hey, touchez pas au bouton tu le gars a trouvé son son il veut le garder donc euh, mais euh, ça peut causer problème problème plus tard et finalement la dernière pièce, Giants in the Sky, qui est mid-tempo, mais tellement accrocheuse. La voix, encore une fois, de Rob là-dessus. Il y a un bridge avec des guitares acoustiques qui se transforment en solo de guitare acoustique, qui est absolument sublime, délicieux. Bref. Euh, ça finit tellement bien l'album. Si vous avez acheté la version de luxe, il ben, y a trois chansons de plus qui sont très bonnes aussi. Mais Priest a eu l'intelligence d'arrêter euh, l'album original à 52 minutes. Je pense que euh, c'était assez comme ça. Mais euh, je vous dis, procurez-vous euh, procurez la version de luxe. Les trois chansons d'extra sont vraiment bonne aussi, il aurait pu faire l'album, mais je pense qu'ils ont décidé d'y aller avec un format de 52 minutes qui est euh, très correct à mon avis donc euh, très 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 surpris de Invis Invincible Shield euh, d'avoir euh, à mon avis surpassé Firepower, c'est tout un exploit, et c'est tout un exploit à, à cet âge-là. Parce que Price n'a rien à prouver, mais là-dessus, ça sonne comme des jeunes loups. Bref, ma cote là-dessus, je donne 9. jean Charest sur 10. Vraiment, vraiment un bon album que je conseille à tout le monde. J'aimerais ça en, entendre, lire, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez de ce disque-là, mais c'est un pur délice pour mes oreilles de métalleux ben, on se laisse là-dessus. On va se voir euh, sûrement la semaine prochaine pour un autre épisode de Talent 3345. Alright, ciao! <laughs>